enfin. Oui, mais Christelle Balestrero est partie là. Hein, donc, ouais. Donc on va aller faire un petit tour en Bretagne, dans le Finistère. Dans le Finistère. Vous savez, le Finistère, ça veut dire le bout de la terre. Et là, on va au bout du Finistère. C'est face à la rade de Bresse, donc une terre très riche en histoire. C'est la presqu'île de Crozon, dans le parc naturel régional d'Armorique, riche aussi avec une géologie très particulière. On va voir ça avec le guide qui nous a emmenés, qui nous a fait dévoiler tous les petits secrets des minéraux de l'île. Et c'est surtout une terre, mais très authentique, de toute beauté. Franchement, l'un des endroits de Bretagne, sinon l'endroit de Bretagne, que je préfère. Vous allez voir, c'est aussi là où la Bretagne a des airs de Méditerranée. On dirait la Méditerranée. À l'île Vierge, la presqu'île de Crozon s'invente des tropiques pour oublier les tempêtes, comme dirait le poète. Nous sommes en Finistère, c'est-à-dire au bout de la terre. De la pointe de Pénir au cap de la Chèvre, c'est une plongée dans l'ère primaire pour une histoire géologique qui remonte à 475 millions d'années. On a tout un panel de couleurs avec les fonds marins qui ici sont à dominante de sable. Parfois également des roches. Vous avez des pins maritimes en pleine falaise, mais il faut quand même ici oublier l'expression Bretagne pays de granit, parce qu'il n'y en a pas. C'est du grès armoricain essentiellement. Attention, ces petits fragments d'améthyste qui va ramasser, il ne faut pas le faire, parce que c'est un site protégé. Les paysages de landes sont essentiels. Donc on a un tapis végétal qui est un puits de biodiversité. Et puis de temps en temps, on a des curiosités. Avec la cuscute, les chouettes Satan, cette plante parasite que l'on voit souvent implantée sur la jonque. Ici, les landes et la roche tutoient les cieux. Depuis la nuit des temps, les hommes ont élevé aux dieux leurs prières de pierre. Les vents salés les ont emportés. Roulent les siècles. Aujourd'hui, les héros de la plage, ce sont ces jeunes surfeurs qui caracolent sur les vagues. Morgade pavoise aux couleurs de l'été. Sur le sillon de Camaret, jadis premier port langoustier de France, la tour Vauban, élégant castel de briques rouges, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À ses côtés, la chapelle de Rocamadour se souvient des tempêtes qui donnèrent des sueurs froides aux hommes de la mer. Brigitte, elle, a l'art et la manière de convertir les moins téméraires à la balade en mer d'Iroise. Mon vieux Crément, il s'appelle le Grand Bleu, il a 60 ans cette année. Et il est tout en chêne, il est magnifique. J'ai toujours adoré ces bateaux-là, ça a une âme. On sent tout de suite le bois qui respire, qui craque. Et puis sur l'eau, c'est une autre façon de naviguer. Je pratique cette activité pour permettre aux gens en fait, de déstresser. Je leur propose de dormir à bord. C'est une première expérience souvent pour eux. Et à bord, je leur propose de participer aux manœuvres, de prendre la barre. C'est peut-être un début de quelque chose qui va leur donner envie de continuer. Et puis en même temps, un moment de partage. Et s'il existe encore quelques réfractaires, à Casteldine, ils pourront pratiquer l'art de naviguer à terre. Ce n'est pas une invention de fou du village, ça existait autrefois. Donc c'était en fait des maisons de pêcheurs pauvres qui récupéraient les vieilles coques de bateaux pour en faire des habitations. Ils les calaient, ils faisaient une charpente, où il retournait carrément la coque du bateau pour en faire un toit. J'ai trouvé, avec l'accord des affaires maritimes, un bateau dans le nord de la presqu'île. On l'a transformé en quai en laine. Après, on est parti sur la caloge. Donc là, le bateau est calé dans sa position de navigation. Et ensuite, on y installe une charpente qu'on recouvre de chaume. Pour la décoration, évidemment, on est resté dans l'esprit marine. On a réutilisé des pièces qui servaient sur les bateaux autrefois, comme des poulies, des cordages, pour donc rester un peu dans cette ambiance de la mer. Si je comprends bien, à Crozon, même sur terre, on garde le pied marin. On aurait presque envie de garder ce petit bout de France, rien que pour nous. Hein. C'est un petit secret, il ne faut pas trop le divulguer. Et vous avez vu, la Bretagne, elle ne pleut pas du tout. Hein, là. Elle pleut pas. C'est exceptionnel, les couleurs sont magnifiques. Et tout. Wow. Alors, on redit où c'est quand même, parce que Crozon, ouais. Crozon Morgade, il faut. Mer d'Iroise, face à Brest. J'ai eu le plaisir d'y présenter une émission il y a quelques années. J'en garde un très, 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 très beau souvenir. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Pas eux, paraît-il. Je ne sais pas pourquoi.